Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je le disais, et je le dis encore une fois de plus. Les Congolais devraient apprendre à prendre au sérieux ce qu'on leur dit. Dans le bas, on voit l'autre fois que mon plus grand défaut, c'est de voir les choses avant. Et parfois, quand les choses n'arrivent pas, les gens pensent qu'on est des fanatiques ou on a dit des choses comme parce qu'on voulait le dire. Mais quand les choses s'accomplissent, ils n'ont plus de mémoire pour se rappeler de ce qu'on avait dit avant. C'est ça ma plus grande tristesse. Mais je sais qu'un jour, les gens comprendront que nous nous battons du bon côté. Et que sur 100% de ce que je vous dis, au moins 99% finit par se réaliser. On a dit à Madame Mabunda, samedi, je lui ai dit, j'ai fait des tweets, j'ai fait des messages pour demander à Madame Mabunda de prendre la grande porte. Elle a refusé. Les gens autour d'elle lui ont dit qu'aucun était, qu'obimaté, tout ça va te bêler, tout ça va te bêler, tout ça va te bêler. J'ai rappelé encore et encore, Madame, vous courez vers les ridicules. Cet affront, ça ne se passe pas. Et que les gens devraient comprendre la fonction du Parlement, surtout de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas été élu sur base d'un discours, vous avez été élu sur base d'une confiance. Du moment où cette confiance est frite, vous partez. Vous n'attendez pas les affronter pour vous défendre. Ça ne sert absolument à rien. La décision du pétition est comme finalement décision matérialisée. Décision bah, pétitionnaire, bah, zui, bah, changera ngote par rapport à discours au ça là. Bango bah, zui, pétition bah, sur base des faits, on va estimer que ça y a ngo. Alors, au yate, on va dire que non, Madame Mabunda est entrée par la grande porte de l'Assemblée nationale, elle est sortie par le claustra. Toloba Kango Awa, Madame Mabunda, retirez-vous. C'est pourquoi nous disons que M. Ilukamba et M. Tambo Mwamba devaient aussi la leçon. Je peux vous garantir, on prend rendez-vous avec vous. Ce qui M. Tambo Mwamba et M. Ilukamba, Balongwe Bango Moko na honneur, vous allez ridiculiser dans le même Parlement. On prend rendez-vous avec vous, ça sera une question de jour. Les gens devraient être en mesure de lire bah, signe à temps. Mes frères, chaque chose a son temps. Et là, quand on y a, il y a des bandes, il y a des soukanango. Bateau, il y a des soukanikambote, il y a des surpris. Or, les surpris sont souvent des imprudents. Le sage voit le mal de loin et abatami. Même si tu as tembe, si tu es loloko, oh, et sali, Madame Mabunda, et sali, et loloko. Et loloko, il fait ngoya, l'on djene. Il y a un mère à côté.
Quand on demandait à mère, mère, bakambaka mboka ne lolo kote. Basala ka lo sambo na mokondi mboka te. Tika eloko wana ma lo... Sadi li boulou na li boso ko dinda. Bandima ki biso te lolo a otubia. A otubia omi kende. Où en sommes-nous? On le disait aux gens, pourquoi nous sommes trop en mesure de couper sa moto armée à battre Bisson? On a déjà soupçon que plus de 125 signatures, il y a ma pétitionnaire et mais pour la crédit dans mon personnel, pour la crédit dans personnel, c'est fini. Mais tu as la suite, dans l'histoire, la première femme qui est rentrée est tombée, pas plus de 2 ans. Vous n'avez même pas tenu à le faire 2 ans. Ok. Maintenant, vous avez une condoléance, une tweet, il y a un tweet. Or, ce que vous avez déjà avant, au démissionnant, l'histoire allait retenir qu'une femme était allée à l'Assemblée nationale et elle avait démissionné. Les gens nous prennent pour des méchants quand on leur donne des conseils. Mais ce n'est qu'après qu'ils se rappellent de nous. Je vous rappelle l'histoire de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, une dame est venue lui donner un livre. Quand Dieu dit non. Il a pris le livre, au lieu de le lire, il a fait comme Jules César, il a empoché le livre. On nous dit qu'il fait un jour en Côte d'Ivoire, pendant qu'il n'est plus citoyen burkinabé, maintenant citoyen ivoirien, sujet ivoirien, c'est en ce moment-là qu'il va finalement retrouver ce livre-là et les contacts de ce pasteur. Quand Dieu dit non, Madame Abouda devrait comprendre que Dieu a dit non dans ma Kamboyo. Chaque chose est en soukanango. Il y a des mois, plusieurs mois, je vous avais dit que j'ai vu une femme élevée en dignité et tombée. Mais je n'avais pas fini ma prophétie. J'ai vu cette même dame qui était tombée faire la prison. Prenons rendez-vous seulement. Ce n'est qu'une question de temps. Je le dis encore, notre plus grand malheur, c'est de voir les choses avant tout le monde. Et même quand les choses ne donnent pas des indices. Mais nous, on le voit quand même. Mais quand les choses finissent par arriver, les gens n'ont plus de mémoire pour se souvenir de ce qu'on avait dit avant. Je vous dis, j'ai vu cette femme tomber. Mais j'ai vu encore cette femme en prison. J'ai vu une autre femme en prison. Je ne sais pas si c'est la même ou une autre. Mais j'ai vu une autre femme en prison. Elle tombait et puis elle allait en prison. Et quand nous faisons la lecture, il y a maintenant des dossiers qui commencent à peser sur Matebele. Alors, quelques considérations pour nous comprendre. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, El Niño signé fin tragique, il y a système, il y a Kabylie. La force, il y a Kabylie, il y a qui n'est pas le bangou toujours, il y a qui nous faire comprendre, il y a qui nous faire force à Kabylie, il y a qui est allé, dans y a axe belé. L'axe militaire, vous avez vu comment il a été déboulonné dans sa armée. J'ai sous mes yeux ici un document très important, le document du commandant suprême de forces armées, PNC, signé par le vice-ministre, je crois qu'il y a le vice-ministre aussi, mais c'est signé par le général Amouli, Baïgoua Diédoné, commandant, je crois, hein, il est commandant général de PNC. Alors, voici ce que dit la lettre, heureusement idée. Il porte à la connaissance de ses instructions strictes au commandement du commandant suprême sur le déplacement des officiers généraux et supérieurs de la PNC. Désormais, c'est-à-dire à dater de cette signature de ce jour, aucun officier de ces catégories NE peut quitter une province vers une autre sans l'aval préalable du commandant suprême, et cela à travers une autorisation formelle signée par la maison militaire du président de la République. Vous verrez au respect scrupuleux de cette instruction que vous diffuserez à travers vos échelons subalternes. Ah, on attend qu'il communique haut. Et puis, généralement, quand il a voyagé, ici, à l'OMI au nord, et comme une dictature, on vous demande d'avoir l'autorisation. Est-ce que vous imaginez ça? C'est là où la puissance de la Kabylie est d'ailleurs concentrée. On pouvait penser que Kouna n'est pas qui m'a cassé. Mais là, il y a eu un déboulonnage que vous n'avez pas l'idée. Aujourd'hui, l'armée est sous le commandement judicieux du président de la République. Bon, le bas qu'il cambo justice, bateau contre la justice. Le ministre de la Justice, il est aujourd'hui l'homme du président.
C'est quelqu'un du président. Parce que le vice-ministre occupe la fonction. Bato balbagi que le premier ministre a dans est belé. Ayaza na pouvoir est belé. Bandenge mo na pouvoir. A nommé ce ministre non? Pourquoi il ne nomme pas un ministre? Parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire sans le président de la République. Alors que le président peut tout faire sans qu'il y ait à la tawana. Les gens devraient comprendre de biloka miki miki wana mais au fait quand vous êtes conduit par la haine, botisi mandé fait belé comité awa parce qu'on va dans le Canada, tu es un peu troublé et tu racontes des choses parce que tu n'as écrit qu'un seul livre. Et tu commences à raconter des choses aux gens. Heureusement que les esprits ne sont plus disposés à suivre la manipulation modèle. Voilà. C'est ça ce qu'on est en train de dire aux gens. Alors, ils vont dire quoi, Lélo? Bon, le banni sous Lélo. Ceux qui criaient, oh, il est impossible, il est impossible. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas insulté quand on disait que le bureau allait tomber? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas insulté? Aujourd'hui, où en sommes-nous? À un moment donné, reconnaissez que vous voyez les choses en retard. Reconnaissez que vous voyez le but marqué dans une télévision en retard avant les autres, après les autres. Il faut reconnaître, ça c'est simple. Puissons si Kabila est allé qui n'a armée, est allé qui n'a justice, est allé qui n'a finance. Après qu'on soit pouvoir dans le Parlement, il y a Makassi, son pouvoir du Parlement, qui lui donnait la force d'avoir un gouvernement. Aujourd'hui, cette histoire-là est scellée complètement. N'ayant plus la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus. Parce que le gouvernement qui viendra ne sera pas le gouvernement, il y a Kabila. Et vous avez le gouvernement, il y a Union Sacrée. Union Sacrée, ça veut dire reconversion, il y a ma qualité à bateau. Union Sacrée, il y a un mot FCC, bon, on a pas député, mais on a la plateforme de couverture. On va récupérer tous les députés na Bango et on va dealer ensemble. J'ai entendu quelqu'un du PPRD, menteur qu'il est, il dit aux gens, non, ces gens-là, l'Union Sacrée, c'est un autre piège du président. Non, l'Union Sacrée, c'est une coalition, une nouvelle coalition. C'est un peu comme le FCC Cash, mais en bien. FCC Cash, Azaki Mouassi, Azaki Tétu. FCC Cash, Azaki Mouassi, on doit te Kouba. FCC Cash, c'est qui moi, c'est qui impoli, indélicate, aïe bolamba terre, aïe bo soukola basani terre, aïe bo bongsambe to terre, aïe bi maramo chambre terre, aïe bi le côté. Et mon bali na ye, Félix Tshisekedi, ale mbaki. Abi, c'est pas possible. Na bonde lio mingi, mo lingi te ale, je te répudie. Lobi, bo mouna ki acte à répudiation. Ba bengani moi, si yona ya FCC, cette femme du FCC, parce que le FCC est une femme. Ma bengani moi si. Alors, le président est en train maintenant de draguer une nouvelle dame qui s'appelle l'Union Sacrée. Ce que tu continues selon Moussoussou. Alors, l'Union Sacrée, à vous comprendre, ce que moi, ça, c'est que je suis bien dans ce comportement. Du coup, on a un rang. Parce qu'il y a dit que jusque-là, le chef de l'État n'a pas encore dissous l'Assemblée nationale. Quand je vous disais qu'on ne va pas dissoudre l'Assemblée, ce n'est pas le vrai enjeu. Les gens pensaient qu'on était en train d'extrapoler. La bataille parlementaire se finira au Parlement. Et on va gagner cette bataille-là au Parlement. Aujourd'hui, c'est fait. Vous avez entendu la réaction des États-Unis? Vous avez entendu la réaction de l'ambassadeur? Vous avez entendu les tweets? Vous avez suivi les tweets de Herman Cohen? Vous avez suivi l'Angleterre, l'Allemagne, la France? Parce qu'une dame Leïla, une africaine, à la fin d'Inaïe, le roi Panabango, on a présenté qu'elle a raté la 90 ans, elle qui n'a aucune leçon de donner aux gens autour de la démocratie, elle qui est une africaine au sens des Africains, qui ne connaissent même pas la chose de l'État, et c'est cette dame-là qui va venir nous donner des leçons. Oh non, il faut. Heureusement pour Leïla, Leïla, adjointe Naïe, a recadré. Ah, il n'y a pas de crise au Congo. L'adjointe, il y a Leïla. Il n'y a pas de crise là-bas. Arrête de raconter des histoires. Il n'y a pas de crise. Le pays fonctionne. Ndenge fait fonctionner. On va se réveiller un matin. Une certaine Leïla, une africaine, qui n'a pas encore compris la notion de civilité du pouvoir. Bon, elle pense qu'elle peut donner des leçons aux gens. Elle n'arrive même pas à parler de son propre pays où il y a des contestations. Où les présidents gèrent même quand ils sont sur le fauteuil. Où les présidents peuvent rester longtemps au pouvoir, Leïla n'a jamais dit un mot là-bas. C'est ici que Leïla veut venir dire, là où on a connu une alternance. Bah, Leïla, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, c'est la fin tragique du FCC. Mais maintenant, c'est vrai, le moment n'est pas au triomphalisme. Parce que la véritable lutte vient de commencer.
Mais pas si tôt. Savourons d'abord victoire Wana. Je me pose la question, mesdames et messieurs. Comment Félix Tshisekedi réussit là où aucun groupe armé n'a réussi? Comment il réussit là où toutes les stratégies politiques ont échoué? Comment vous arrivez, monsieur le président, à faire partir Kabila du pouvoir? Comment vous arrivez à contrôler l'appareil judiciaire que lui avait mis en place? Parce que l'architecture judiciaire que nous avons, ne vous en faites pas, c'est Kabila qui l'a mise en place. À l'époque, on avait la Cour suprême, mais c'est lui qui l'a finalement éclaté dans les trois chambres là. C'est Kabila. Cette architecture, c'est Kabila. Le système politique que nous avons aujourd'hui, c'est Kabila. Le régime politique que nous avons aujourd'hui, c'est Kabila. C'est un peu comme si on a joué dans son propre terrain et on l'a battu dans son propre terrain sans que Massa s'y bête. Mes frères, à tous à mouton, on m'a bien, mais à Mouvandi, on dit, ok, ici c'est un bon coup. J'ai envie de savoir comment Fayulu se porte. J'ai envie de savoir comment Mouzito se porte. J'ai envie d'être là, Namouna, comment Bazo fonctionne. Il y a un que depuis l'obiti, l'élo, parce qu'elle a tweet de mon côté. Parce que Bayebi, au fait. Bayebi, je crois qu'il va se soutenir ensemble. Parce que là, le chemin de l'opposition est Fungwami. Et le débat, il y a opposant, et vous avez la Fayulu, et vous avez la Mouzito, et vous avez la Kabila. Mais en réalité, c'est Kabila qui sera le porte-parole de l'opposition. Quand je dis Kabila, c'est son clan, hein, et vous avez la Mes frères, j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui, mais je voudrais tous allons dans ma superficielle, hein, tous allons dans ma réflexion, il y a Marambo et le gars qui lobby. Vous savez, quand les choses ont commencé, Madame Mabunda et tout son bureau, Bayaki, sauf moi, quoi, ça a été crise. Et non seulement Bango Bayaki, mais le professeur Némi Mulania, M. Mouva Sakani, Bango Bayaki, je dis qu'ils étaient conséquents. Parce que M. Mouilani est venu faire la pression aussi. Hein, tu vois, présence n'a il fallait ça là-bas et garder ma députée dans la logique. Wana. Vous ne bougez pas, je suis là, et ainsi de suite. Et Bandi Koyemba, oh, je peux vous garantir aujourd'hui, ma députée, il y a FCC, il y a 240 et quelques pétitionnaires, il y mais un peu plus. Donc, il y a au moins, à la limite, 260. À la limite, 260, il y a des mais, en tant que la liste de pétitionnaires, il y a des chiffres, il y a 240 et quelques, 244, quelque chose comme ça. Il y a des chiffres. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'il y a eu plus de 40 personnes. Il y a bateau, il y a qui n'a Madame Mabunda. Plus de 40. Il y a qui n'a Madame Mabunda. Il a voté le contraire, mais il était en train de faire le bruit dans la salle. Non, Madame Mabunda, non. Oh, Madame Bango, en réalité, Madame Bango, t'es. Basali, le col là-haut, monsieur Mbongo, il y a un bango, il y a d'accord, ne le connaît pas. Un gars, il y a un d'accord, ne le connaît pas. Etienne Tshisekedi de Lubango, je n'ai pas été d'accord avec lui. Mbongo, Paul Bakiango, je n'ai pas été d'accord avec lui. Bango, Basala Kiango, enfin. C'est-à-dire, Zumbongo à l'État. Mais Mbongo à l'État, Mbongo à la binoté, et Mbongo à l'État, tout Zum, mais tu as voté ou tu as voté. Et finalement, plus de 40 personnes ont voté. Mais c'était il y a qui tsunami. Madame Mabunda dans celle-ci quand vote naie abimaki. Or naie moulin y'a ça qui n'a qui déjà. Mouvapé déjà. C'est-à-dire ils ont eu des informations que oh madame comme compliqué oh. Et comme véritablement compliqué. Et c'est en route qu'on informe Madame Mabunda que vous venez de tomber. Alors je pense qu'elle a pensé à de l'autre côté Bumona qui Kabound. Kabound qu'est-ce qui se passe? Kabound est resté tranquille. Bah député Moro Bayo Kofingaye. Bah, il a fini avant hier, il ne répondait pas. Alors, comment ça va se passer? Quand on a sifflé, comme dans le 251, les gens commençaient à crier et lui, il était en train de regarder et il a commencé à pleurer. Je m'imagine pourquoi Kabunda pleurait. Je pense à deux choses. Kabunda a réalisé que tout se paye ici-bas. Kabunda a réalisé que qui tue par la pétition, périt par la pétition. Kabunda a pris une leçon, en disant que quand on te fait du mal et que tu es innocent, comme tu as dit, il y a un peu de temps, il y a un. Et je crois que c'est ce qui lui a fait pleurer. Il a fini primérien, il a fini Kabunda, il a français, il a dit pour le collaborateur chef de l'État. Mais bizarrement, ce sont les illettrés, ceux qui n'ont pas étudié, selon vous, étudiants. Bangonde va mener lutte, Wana, Tina Souka. En fait, cette lutte a été une lutte commune.
bato tout batché maboko na bango hein bato kota media ba so za la ki côté ça dit cette bataille a eu beaucoup d'artisans même mon donné faut reconnaître le mérite des uns et des autres. J'ai vu Tony Mouaba, j'ai vu le prof Mbata, j'ai vu le Chimbaï, sur tous les fronts, dans tous les fronts, en train de vouloir se battre pour finalement mettre un terme à cette histoire. Et Kabunda pleurait. Je me pose la question maintenant, dans quel état le chef de l'État s'est trouvé? Avec qui place Nîmes? Parce qu'à un moment donné, ton père a mis tout espoir. Moi, je me rappelle avoir appelé Gilit. Gilit, j'ai fini d'appeler Israël Moutombo. Israël, comment ça se passe là-bas? Et on a discuté avec chacun d'entre eux. J'ai appelé les gens à l'intérieur. Comment ça se passe là-bas? Ok, non, tout va bien, on va aller, tout ça. Et c'est vrai que ça faisait peur à un moment donné. On disait, mais comment ça, qu'est-ce qui allait se passer? Mais mesdames et messieurs, c'était simple. Ce qui allait se passer, c'est que Mabunda Ganyaki, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas, en fait, ça n'allait pas avoir un problème. Ça n'allait pas faire un problème. Le problème est que le président de la République allait rapporter son ordonnance, le Premier ministre, en l'a rapporté en haut. Et le coup, il l'a rapporté en haut. Le Premier ministre en a tombé et il allait aller nommer un informateur. Disons, un informateur allait amener l'information. Et puis, lui, il allait nommer notre Premier ministre et puis il allait nommer Premier ministre. Mais maintenant, là, aujourd'hui, où nous parlons, toute la question, il y a nomination, un chef de l'État, disons, il y a un formateur, est commis valable. C'est ça ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit, la force d'anticiper. Et comme il s'est très, très valable. Pour la batougnon sur un petit esprit. Parce que moi, je disais que c'était normal. Et comme il s'est pour la batougnon tout, et comme il est unanime, on va dire, et comme il est unanime, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, il faut un informateur. Et le chef de l'État ne commettra pas l'erreur, il y a qu'à là, il faut un informateur à qui. Un formateur à identifier majorité. Après, tant qu'il a identifié la majorité, n'a pas présenté le Premier ministre. Ce qui est le Premier ministre, il a dit qu'il a été camponné, il a été humilié dans le Parlement, il a été toujours. Mais je compte sur la notoriété de ce professeur qui va démissionner, si pas aujourd'hui, demain. Il a été convaincu. Convaincu, Penza a convaincu que, bon sens, il y a prof et que ça, il a profité de la même occasion, il a un professeur. Ilukamba, prof Ilukamba, Kanisa, Poanayo, Ajnayo, Kolanda ba tambouriner, tena ba turiferer, wanate, Bango ba routine dika wana luna soni, basali na mama bunda boue, bangi basala na ope bongo, yo boya, lelo soko yo ki misho angana 12h, atana ba 12h30, 14h, o komi ata lettre, hein. Obiti chef de l'État, monsieur le président de la République, je viens vous déposer ma démission. Et puis, au kéo vandano na kimia, o zala humilié te, va reprendre acte na yo et bifo ba kongola tomber tonoma boko mais ce qui obimi na petite porte monsieur le premier ministre oyoboki na suka eza malamute et je crois que ba tout va comprendre que babetaka gazon té na président de la république té eza ki erreur nyo se salima avant ba kendena dini ba vacances. Tout va se passer à Ouakaka. Donc, je crois qu'à partir de lundi déjà, Barossa la vote. Peut-être lundi ou mardi, vote est au Salima déjà. Vote, il y a président de l'Assemblée nationale. Na bureau Mbimba. Parce que le bureau, tout le bureau est tombé. C'est comme ça, l'élection, il y a bien bureau Mbimba. Lorsque le bureau va être mis en place, ce bureau-là, maintenant, sera prêt à recevoir le premier ministre du gouvernement. Donc, ceux qui toquent Marambo bien, ceux qui disent que nous avons dit que convenablement, je pense qu'on a deux choses. Est-ce que le chef de l'État voudra que tout son gouvernement, le 15 mars, la rentrée parlementaire? Ou le chef de l'État voudrait que tout soit au gouvernement en décembre? Mais je pense que dans le décembre, vous avez bâclé. C'est mon point de vue. Je pense que dans le décembre, vous avez bâclé. Monsieur le président de la République, prenez le temps. Il y a majorité, il y a son nouveau président à Vanda. Nouveau président, Avanda, l'Assemblée nationale, bureau est vendu convenablement, baquet, rentrée parlementaire. L'informateur, pas plus ça déjà, réponse naïe. Si l'informateur vous donne des bonnes réponses, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une réponse pendant ce temps, pendant deux mois, yomokotanga, bakombo ya batu, yomoko proposé, yomango. Yomoko tangi, nga conseil, nga l'opé sa président, et ça qui est yomoko sa premier ministre, yomoko président, luka premier ministre naïo, qui ne kozo accord na bango, c'est tout. Aux yeux du Premier ministre, il y a beaucoup de gens qui ont confiance dans le monde. Alors, ça, c'est la bien-être. Aux yeux du Premier ministre, Christian, je comprends que tu es jeune.
tu as des idées, je veux que tu deviennes mon premier ministre. Au Bengi, Assemblée nationale, au Tchébango, on attend. Moi, je veux que Christian Boussamé soit premier ministre. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est pour juste pour aider un exemple. Ça peut être moi, ça peut être M. Katumbi, ça peut être n'importe qui. Ou Zuyé. Mais quelqu'un qui a un cœur dans la confiance, qui peut réellement servir le pays à travers toi, à travers ta vision. Quelqu'un qui te comprendra à demi-mots. Moutou, vous en avez besoin de me expliquer ma dessin belété. Moutou, vous avez besoin bon, monsieur Christian, comment on fait pour sauver la jeunesse? Tout de suite, les plans, Edali. À ta 14 plans. D'après le premier plan, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, à votre appréciation, monsieur le président, humour apprécié. Et le chef de l'État dit on peut commencer par ici, et puis par là, et puis par là. Moi, en tant que premier ministre, je vais chercher des ministres, on a dit qu'il va gros salango calmement. Des ministres dociles, compréhensifs et qui comprennent. C'est tout simplement ça. Non, aucune combattante. N'est-ce pas sur la salle de gouvernement, dans la salle de gouvernement, je n'irai pas chercher des gens qui ont des noms, tout ça. Non, on sait que les déshonneurs ont une grande réputation, mais vraiment, mabé. Non, Gekounate. Je vais trouver des gens qui ont encore de l'énergie. Je vais aller trouver des hommes qui ont qui sont porteurs des idées neuves. On ne chasse pas les vieux, il faut que les vieux soient là. Parce que bon, on est barré, tout le monde a moussika. La vieillesse, pour moi, c'est une question d'expérience. Il faut les avoir. Mais le problème est que quand vous avez un gouvernement, ça va être un gouvernement qui répondra à tout. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Le Cambo est un avantage, ça fait un désavantage. Avantage, Félix, c'est qu'il pouvait se cacher derrière n'importe quoi en disant non, je n'ai pas réussi à faire ça. Le FCC m'est bloqué. Je n'ai pas réussi, le FCC m'est bloqué. Oui, maintenant là, en ayant la majorité, il n'aura plus de raisons à couper ça. Parce que c'est le chef de l'État qui va nommer le premier ministre, c'est le chef de l'État qui va nommer le directeur de la banque, c'est le chef de l'État qui va nommer le ministre des Finances, c'est le chef de l'État qui va nommer tout, tout, tout. Ça sera lui, maintenant. Néona, tu as la volonté à Félix Tshisekedi, tu as la volonté à appliquer, tu as la volonté déclarée. Or, moi, je sais que tu as la volonté à appliquer, donc nous pouvons entrer maintenant dans la phase Moussousou, la nouvelle phase, il y a reconstruction en Mboka. Eux, comment dans la mentalité. Voilà pourquoi le chef de l'État a besoin d'avoir un premier ministre fort, mais faible par rapport à lui. Voilà la nuance. Fort pour réaliser, matérialiser les idées du président, mais faible devant le président quand il s'agira d'agir au nom et pour le compte du président. Le terme faiblesse, ce n'est pas le terme de l'inanition. Ce n'est pas le terme écraser. Non. C'est plutôt une forme, à mon avis, de docilité, une forme d'être bien avec le chef de l'État. Il n'y a pas d'affront. Un premier ministre, le premier ministre est un collaborateur proche et privilégié du président de la République. Le chef de l'État, quand il a besoin de donner de l'eau aux Congolais, il passe au travers le premier ministre qui lui va utiliser un de ses bras, ou un ministre énergie, pour le Makambouana. Comment on fait? Parce que nous, quand on va gérer ce pays, le jour où mesdames et messieurs, vous allez voir la différence de la gestion. C'est quoi la différence de la gestion? Aucune décision économique ne sera prise sans avis à Bamabi Moulumba, sans avis à expert en économie. Ce sera ça ma manière de faire les choses. Aucune démarche en électricité sera prise sans l'aval à ma professeur Liassa et Ozalaté. Je ne peux pas. Et donc, on a le guide de réformer ma culte dans le Congo. Peu besoin que ça passe à Roland Dallo. Mais c'est de la folie. Besoin que ça passe Emmanuel Dodi. Mais c'est de la folie. Besoin que ça passe pasteur Baruti, ma pasteur Dioka. Comment vous pouvez imaginer relève et spiritualité dans Mboka Nabino si vous n'avez pas ces gens-là avec vous? Il faut que Mboka Bango, il faut les écouter, ces gens-là. C'est une obligation. En fait, le problème, c'est que chacun est fort dans son domaine. Alors, il ne faut pas tourner le dos à ces gens-là. Bolingi non, donc tout cette intégration dans Mboka, mais comment on retombe l'intégration dans Mboka ceux qui boki ba Jean Belété. Ceux qui boki ba Pascal Mubenga té. Ceux qui boki ba ndeko na France, ba en Allemagne, ba na Congo té. Comment? En fait, le problème ici ça va être mettre moi mon travail en tant que premier ministre, vous allez jouer rôle de chef d'orchestre. Na kozo mayele ya batu nyo son sanction au placement ko. Aucune décision, il y a ba marché public et kozoama sans que boka ba vie ba Némi Milan ya professeur na nini ya il y a marché public, n'a pas spécialiste à marché public. Pas que des politiciens, mais des hommes avisés. Vous voulez reconstruire l'enseignement et vous laissez les bacans déjà, vous laissez ces gens-là. Non, 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 on va le reprendre. Il faut avoir besoin d'eux. Venez, s'il vous plaît. Dites-nous comment on réussit le problème.
ça sera un des avis consultatifs. Je demanderai au chef de l'État, tout ça, le forum national. Au moins 4 ou 5 jours, sur une question donnée, sous le patronage du président de la République, nous parlons du problème de l'électricité avec les experts. Pas avec des coopérants qui viennent, non, chef de l'État projette. Non, non, non. Nous appelons les intellectuels, les intelligences, les brillants de l'ISTA. Au cours d'une conférence, on va partout à travers le pays. Même au Libanda, on va travailler dans la NASA, on va travailler dans la bombe nucléaire, on va travailler dans le plan. On peut les appeler tous et l'État paye l'argent pour eux. Au vendredi, on a dit qu'on réfléchir sur le modèle d'électricité dans Mboka. On a dit non, monsieur le président, mon nous voulons sauver la médecine, mais attendez, nous avons des Congolais qui sont des ophtalmologues en France. Il y a des Congolais qui sont des orthopédistes, des hommes et femmes qui ont appris le système sanitaire, et bien convenablement. Faisons appel à ces gens-là. Ils ne sont pas politiciens, ils ne demandent pas l'argent. Mais ils ont besoin de contribuer efficacement pour le devenir de leur pays. C'est ça le rôle d'un premier, un vrai premier ministre. Ce n'est pas un caporal. Ce n'est pas un militant. Et encore plus, on a dans la partie politique. On a discuté la prison, expliqué la prison. Donc, tu as assaini le milieu d'affaires. J'ai dit au président, créons 500 ou 1000, je ne sais pas moi, créons 1000 entrepreneurs. Il y a Malonga. Oh, l'État, il y a Tali, la qualité, l'État leur donne des moyens. C'est nous qui allons fabriquer ces gens-là. Pourquoi ce que les Congolais ont déjà évolué dans ma Kamounaï. Mais l'État congolais peut se circuler, ils ont marché à 1 milliard de dollars, ou marché à 200 millions de dollars, ou 300 millions. L'État dit, tu peux sur le marché, comment tu vas le gérer? Congolais ont fait la déjà dans mon balabala, vous pouvez sur le Congolais peut sur confiance, ils ont créé 15 km de route. Tout en a une aux Alpes. Mais c'est comme ça. Malembe. En fait, c'est ça notre apport au droit en Ouéangouana. Mais tu devrais apporter au chef de l'État, non, il y a un bon côté. D'ailleurs, moi, Premier ministre, le chef de l'État sera de moins en moins visible. Il ne viendra qu'assister dans des grandes choses. C'est là où on verra le chef de l'État. Tout le reste du boulot, on va le faire sous son nom patronage. Non, on ne va pas réduire le président qu'on se consacrera à lever les rideaux sur des moutons. Non, non, non. Moi, Premier ministre, le président de la République ne viendra pas dans ça. Moi, Premier ministre, le chef de l'État, il y a ma route nationale. Eux nous relient, par exemple, les Lubumbashi, na Mbokamoko quelconque. Ah, le chef de l'État vient dans ces conditions-là. Tout ce qui avion, 50 avions. Oui, le chef de l'État vient là-bas. Mais pas dans des petites histoires. Vous achetez un avion, le chef de l'État, il y a 4 ribans. Non. C'est pourquoi il faudrait ici une idée. Il faut des pensées. Mais avant tout, mesdames et messieurs, Madame Mabunda est tombée. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Africa Union, mais quand t'es qu'un nyonso, bilogo y a, y a un nyonso congolais. On dit ne qu'on a yo, à ça ils s'agitent. Bon à Corée na yo, mais comment bon est la yo? Bon à Zoto na yo, mais comment y a elle? Bon comment bon est la yo? Parce que bio Africa Union, et quand t'es qu'un. Tout à coup on a pas six mois, sinon Corée pas y a, sinon Corée a dit. Ne qu'on a yo, mais quand t'es qu'un, alors t'es qu'un bilogo y a mboka. Y a fraise, y a yo. Thank you.
Congo, noyemani, noyemolonde nelalisa.